Re tout le monde, c'est Macogneur Minou, et là ça rigole plus, on enchaîne le 12e épisode de ce Let's Play. Donc on arrive dans cette zone qui a l'air pleine de petits bonhommes à battre, qui va être encore bien longue. Dans l'épisode d'avant on avait fait que la petite grotte, c'est bien dommage. Et là je pense qu'on va faire que cette zone avec tout le monde qui est à battre. Ça va être gonflant. Ponyta, pas chez les zoos, ok. Alors, on va tenter un Valgren sur l'électricité. Et on fera Patlas sur Ponyta. En plus, j'ai pas une éthique. Oui, si, j'ai une certaine éthique quand même. J'ai pas une équipe super en forme là pour attaquer la zone. Ça promet. Ouais, carrément pas en forme d'ailleurs. Et la flamèche, donc peut-être que bientôt je vais avoir flamèche. J'ai le souvenir en plus que le centre Pokémon est assez loin. Bon, si je crève, je ferai un cut pour pas vous retaper toute la piste cyclable. Vendetta, c'est bien ça? Ouais. J'ai un peu du mal avec les attaques qui ont beaucoup de conditions pour être efficaces. C'est pas super pratique. Bon, je pense que celui-là on pouvait pas l'éviter. Le mont couronné, ça veut dire que je suis quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une grotte à traverser là? Beau petit dessous de table. C'est vrai que ça ressemble pas à grand chose ça quand même hein. Six petites boules accrochées sur une grosse boule avec à l'intérieur des petites boules. Ouais, c'était sûr, j'attendais que ça. Tout.
Bon, ouais, donc je pense qu'on va être obligé de se farcir le mont couronné. Alors déjà, paye ton nom. Y'a rien pour il ici. Ah, je crois qu'on retourne ces charbourg en dessous, non? C'est pas ça? Ah oui. Et je peux remonter avec la bicyclette, non? Allez, on va y aller. On va faire un petit coup de heal. Alors, la bicyclette. Alors, c'est bon, ok. Moi, je me souviens d'un moment qui était chaud en bicyclette, c'était pour capturer Rayquaza dans Emerald. Il fallait monter dans une espèce de tour là, où le sol était... était piégé en fait, donc il fallait aller très vite sinon il s'écroulait. Qu'est-ce que j'ai pu essayer? Oh, qu'est-ce que c'est? Cheveux bleus? Une théorie veut que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. C'est probable. C'est quoi? C'est la Team Galaxy, ça? Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'attendait. Okay. Le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Ok, donc ouais, je pense... que c'est un taré de la Team Galaxy. Ouais, voilà, c'était mon petit côté, petit instant. Là, y a rien. Là, on a rien. Corillon. La grotte serait déjà finie alors. Il y a pas mal de zones bordéliques quand même, hein, je trouve. Je crois que j'ai encore l'Ixion en premier. Ah non, lui. Thank you.
Bon, Merguez, deviens fort, s'il te plaît. T'es niveau combien, toi? Petite Merguez, niveau 14. Ok. Mais on peut pas éviter. Tu voudrais bien me donner quelque chose à manger? Tout sauf ma merguez. Putain, les mecs, ils pensent qu'à bouffer, mais sérieux. C'est con. Si cette attaque pouvait faire 5 à chaque fois, 5 coups à chaque fois, ce serait vraiment une attaque épique. Je fais charge alors que ça va rien faire. Des fois j'ai des réflexes assez à chier en fait. Ouais. Les fameuses cascades. Non, tu es moche, je ne veux pas de toi. Oh, alors là, une grosse dédicace à Kaki Kaki, ma pote, qui l'autre coup s'est fait défoncer en ligne sur le jeu de cartes. Vous savez, Pokémon, il y a un jeu de cartes en ligne qui est franchement super. C'est les cartes à jouer, les mêmes que les physiques, mais en ligne. C'est gratuit et tout, c'est vachement classe. Peut-être que je ferai aussi des vidéos là-dessus. Et elle s'est fait fumer par un espèce de castorno énorme qui lui a défoncé toute son équipe. Et c'est classe. C'est classe, mais ça reste quand même un Pokémon de merde. Donc, bye bye. Trouve-miel. Il y a un banc ici, c'est pas possible. New police. C'est marrant ça, c'est quoi? Un papy? On essaye? J'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû du tout. Ah, ça va quoi? Des Colorior? Alors, on va faire. Tiens, on va essayer Neuherbe. Ça y est, la merguez grossit. Alors j'aimerais bien savoir quand son attaque va. Enfin, quand son niveau va augmenter et qu'il va choper une belle attaque feu. Manza, il est rigolo, je trouve quand même. J'aime bien.
Bon, je vais faire le point un peu sur l'équipe, savoir qui met en premier. Qu'on reste un petit peu raccord. 20, 20, 20, 20, 20, 15. Allez, on va laisser Lily. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà là? Ah, nouvelle ville. Là, je pense que c'est même une grosse ville. Concours Pokémon. Ah, je suis pas fan. Mais je suis une fille, il va falloir que je le fasse. Chouk. Playboy? Non, c'est pas Playboy. Sans toi, qui sait où mon appareil se serait enfui? Bah, à côté. Oui, oui, on viendra te voir. Allez, c'est quoi ça? C'est les concours? Ah non, ça j'étais vraiment pas fan. Hein. Déjà le fait de faire les... Je crois que c'était des Pokéblocks à l'époque. Il fallait mélanger des baies là, mixer des baies en vitesse pour faire des Pokéblocks. C'était dans Ruby Saphir Émeraude. Ok. On va checker un coup. Fan Club Pokémon. Psychoquack. Trop mignon, Psychoquack. Quelle sucrerie, comment dire, offres-tu à tes Pokémon? Heureusement qu'il n'a pas balancé le mot gâterie. Pour ma part, comment dire, je leur donne des Puffins. Pourquoi je fais ça? C'est une belle preuve d'affection. D'accord. Il deviendra plus gracieux. Ok. Il paraît que l'on est ce qu'on mange, donc... C'est plutôt logique. Bienvenue au fan club. Toi, t'es qui? Je travaille pour Feli Télé. Allez, une petite interview. Je lis ça un mot. Je peux pas choisir deux mots. Ah, voilà. Pokémon 2. Voilà, quelque chose de très cohérent, merci d'avoir partagé. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Le bébé. La reine. Je vais aller soigner, je vais go direct la reine. Histoire qu'on ait quelque chose de sympa dans cet épisode. Finalement la zone n'a pas été très longue, hein. Je suis assez rassuré et content. Alors, ce sont des Pokémon. Aucune idée. Il y a un karatéka, c'est peut-être de type combat. J'ai pas de Pokémon si c'est le cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut toi, comment ça va, dresseur? Je devine que tu comptes défier le champion d'arène. Eh bien, ça m'ennuie de te le dire, c'est impossible. La réponse est simple, elle n'est pas là. Oh non! Bah voilà, c'est encore pas encore pour cet épisode. À moins que ce soit l'espèce de tâche là qu'il y avait là. Je dois attendre avant de modifier.
C'était toi ou quoi? Toujours pas? D'accord, donc on est obligé de se farcir les concours. Allez. D'instinct, je pense que voilà, faut se farcir le concours. Ah bah c'est elle. Non, c'est pas elle. Mais cet accessoire, c'est Pokémon. Ok, ça roule. On fera ça, promis. Maintenant, laisse-moi tranquille, je veux partir. Ah ouais, carrément, maman est là. J'aime bien, t'as l'impression que les parents ils en ont rien à foutre de leur gamin, tu sais, ils les voient pas pendant je sais pas combien de temps, et puis oh salut, allez, à la prochaine. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est quoi, c'est Léo? Ok, super. Promenez vos Pokémon. Promenez vos Pokémon. Ah ouais, on peut sortir les Pokémon. Allez. Oui, allez. C'est énorme. Ça devrait être ça tout l'épisode, enfin toute l'aventure. La bicyclette, on pourra pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Plaque fantôme. Plaque fantôme. Ok, on n'a pas accès. Bon, on fait un petit tour juste vite fait. Et on s'en va. Hein. Voilà. Pokémon bien bourrin. Bon, du coup, on peut pas aller à l'arène, j'ai pas envie de faire des concours, donc on a rien à faire ici. La prochaine ville, je... Bon. Tu m'as encore fait attendre. T'es... Adresseur maintenant, tu dois toujours être sur le qui-vive. Alors j'ai hâte de savoir s'il a gardé Arco, s'il a récupéré l'évo de Tortipousse, ou s'il a un autre starter plante. Bon, on est suffisamment haut pour passer outre le jeu des faiblesses. J'espère. Ouais, non, on va pas coucher là. Je vais passer. Hop. Pokémon, Nala. Ça change. Mon le copieur.
niveau 13. Si lui il a des attaques feu, franchement, je suis dégoûté. Vas-y, gros, vas-y, balance. Fais-moi rêver. Bon, il a gardé Masco. Ça sert à rien que je mette Ponyta, j'ai pas d'attaque feu. C'est excellent la petite queue qu'il a sur la tête. Quoi. Cette espèce de feuille ou de liane. C'est un moment de l'anime aussi hein, que j'aime bien. Tout le passage de Sacha jusqu'à qu'il ait Junko, jusqu'au combat final avec le bras de Khalid Flora, franchement, c'est des bons souvenirs aussi. Après, j'ai totalement zappé. J'ai arrêté à Diamant, mais je crois que je l'avais déjà dit ça. J'ai regardé les 3-4 premiers épisodes de l'arc et puis après. Stop. Ratata. Bon, pour l'instant, rival, c'est pas encore une super gêne. Hein. Ça y est, on va pouvoir le jouer. Oh, toi, mon gars, je vais te fumer. Je vais te fumer. Poulet rôti au menu. Le gars il s'inquiète. Il s'inquiète alors qu'il lui reste un Pokémon avec deux PV. C'est un peu trop tard. Bon. Bouah. Je vais m'endurcir et progresser un jour. Je vais m'attaquer à la run de Voilà Rock. Voilà Rock, prochaine arène, d'accord. Ça doit être en bas alors. Non, c'est pas encore ça. Mais là là, qu'est-ce que c'est encore que ça? Par là. Dum, 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 dum. J'ai été trop vite. Je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas eu de badge cette arène. Enfin, de badge d'arène cet épisode.
Allez, on va envoyer la merguez sur la table. Ah, là, cette attaque a du sens. Allez, ciao, bye bye. Bon, et bien avant de se lancer entièrement dans cette zone, et ben on va arrêter l'épisode ici. Je vais peut-être payer un petit peu Ponyta, mais c'est pas sûr, je vais voir en fonction du feeling. Ouais. Non, on va laisser comme ça. Bon bah voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye!